Il nous annonce qu'à partir de l'hiver prochain, il y aura plus de gaz. Donc moi, cet été, chez moi, le chauffage à fond. Je veux profiter des derniers moments où c'est toi qui choisis la température chez toi. Parce qu'après, ça va être compliqué. Il faut savoir, le gaz, il y a deux fournisseurs, c'est la Russie. Et bon, la Russie s'est boycottée, donc il n'y aura plus. Ça veut dire que tous les pouvoirs vont se retrouver chez les Algériens, le deuxième fournisseur. Et je connais ce peuple. J'en fais partie. Et un Algérien avec du pouvoir, c'est chaud. C'est chaud. À partir de l'hiver prochain, il faut s'attendre à des revendications très bizarres. Ils vont dire, tu veux du gaz ? Nous, on veut Benzema dans notre équipe. Voilà, donc... Voilà, je veux une vidéo de Zemmour qui dit « One, two, three, vive l'Algérie !» Sinon, le gaz, oublie. Le gaz, tu veux te réchauffer, voilà, tu prends du Jack Daniels, tu te démerdes. Après, il y a des gens qui disent « Ouais, de toute façon, au bout d'un moment, ils vont être obligés de vendre parce que sinon, ils vont être perdants. » C'est mal connaître les Algériens. Parce qu'un Algérien, même s'il est perdant, ça ne le dérange pas du moment que toi aussi, t'es perdant. Il va dire « Oui, je sais que je suis perdant, mais toi aussi. » Et toi, t'es perdant à cause de moi. Donc, quelque part, je suis gagnant. Donc, investissez dans des cheminées, trouvez des solutions alternatives.